Hey hey hey, salut tout le monde et bienvenue pour une petite vidéo réaction. C'est pas comme si il y avait 15 000 personnes qui l'avaient déjà fait. Pour la visionnage du trailer du Sims 4 saison. Et oui, parce que en fait je voulais pas forcément savoir, mais vous forcément ils l'ont écrit bien en gros et puis surtout que j'ai déjà été spoilée sur Instagram, donc forcément. Disons que comme hier j'étais deux soirées, j'étais sortie, je suis rentrée assez tard, donc je n'ai pas du tout, plus j'ai pas du tout pensé, j'étais complètement dans mon truc moi. J'ai pas du tout prêté attention au feed de vos Sims ou quoi que ce soit, donc vraiment je l'ai su que tard dans la nuit à cause d'Instagram. Vous pouvez venir me rejoindre, je vous répète. C'est dans la description. Bon, bah, du coup, let's begin the reaction. Et puis, on va voir quoi. De toute façon, pour le travail de tout ce qui est vraiment analyse, je laisserai bien sûr Anas Gaming faire une analyse beaucoup plus poussée parce qu'elle excelle dans ce domaine. Et puis, voilà, je me disais pourquoi pas aussi faire une petite réaction où vous m'entendrez dire What? Mais what the fuck? Si je suis contente ou pas à première vue. Donc, bah, on va y aller. Allez, on est parti. Mon kiki, reaction, baby. Oh, déjà. Oh, punaise, mais c'est super beau, ça. Ah ouais, non, mais là, on va s'éclater, là. En plus, j'adore les types verrières et tout, machin. Là, c'est super beau. Il y a la balançoire qu'on n'a pas. Il y a ça, bien sûr, c'est un truc pour faire du jardinage. Ça, c'est cool pour le Decade, par contre. C'est dommage, parce que je suis déjà un peu avancée dans le Decade, mais je pense que de base, c'est pas grave. C'est pas grave, dans le Decade, ils vont devoir y avoir, à mon avis. Ça, c'est clair et net. La balançoire, bon, bah, elle est un petit peu trop moderne pour le Decade, mais. Mais non, ça va. Donc, déjà, rien que ça, c'est ok. Allez, on appuie sur Play. C'est parti, mon kéké. Ok. Ah oh, c'est beau la vache. Patinage artistique. Roller. Ah oh, ouais. Oh putain. Le fameux mec qu'on a vu dans le gif. Ah, comme quoi c'est quand même animé. J'avais raison. Qu'est-ce que... Oh merde, on va pouvoir faire pleuvoir et tout. Oh la vache. Oh la foudre! C'était quoi ça? Alors, pré-order 22 juin. Ok, 22 juin, 22 juin, 22 juin, 22 juin. C'est un vendredi, bien sûr, comme d'habitude. Oh, ok! Ok, baby. Alors, j'ai envie de dire, c'est super beau, quoi. Déjà, de base, c'est méga beau. Après, je suis un petit peu poil déçue parce qu'on voit déjà que... Ça, c'est super drôle. La piscine où la meuf, elle est étendue dedans, alors que, à mon avis, ça doit être plus un truc pour les enfants ou un truc dans le genre. Mais vous voyez, en fait, j'ai l'impression que les animations, elles vont se répéter. Ouh, c'était pas ça que je voulais montrer. C'était ça. Entre ça et ça, en fait, ouais, ça, et entre le patinage artistique et le roller, par exemple, j'ai l'impression que c'est la même chose. Vous voyez, en fait, ça sera pas des animations forcément très différentes. En même temps, c'est normal, ils vont reprendre l'animation qu'ils ont bossé, par exemple, pour le pelletage, pour faire aussi les feuilles mortes. Je trouve ça logique, mais en fait, ça m'a l'air comme ça, trop similaire, trop. Bon, bah, on a fait. C'est pour ça, on sort les saisons, mais en fait, on a fait le taf, genre, on a fait une animation et on la décline dans tous les coloris et tous les trucs possibles. Donc, à voir. Après, effectivement, nouvelle coupe de cheveux, nouvelle coupe de cheveux, nouvelle fringue, tout ça. Bon, ça, c'est Anna qui fera le meilleur. Voilà. Alors, ça, c'est l'exemple typique qui m'a fait. On va sauter dans les flaques, on va sauter dans les feuilles, on va sauter avec le jet d'eau. Ça, du coup, ça m'embête un peu parce que. Parce que forcément. Je sais pas, je suis pas trop trop friande. Et. Ça m'emmerde un peu qu'ils aient fait la même animation à chaque fois.
Bon, c'est pas très très grave. Les jeux d'été, tout ça. Ça, ce short-là, on l'a déjà. Le haut aussi, il me semble. On va voir. En tout cas, ce maillot de bain est très joli. Pareil, vous voyez, là, lui lance je sais plus quoi. Et ça va se transformer en la même animation pour la boule de neige. Donc, c'est vraiment dommage. Et tous les trucs d'hiver et tout. Apparemment, donc, il y a le mec. Ouais, vous voyez, là, le patinage artistique. Et puis, la meuf qui fait du roller. Donc, on aura des nouvelles compétences. La maison. On aura un vrai Noël, donc c'est un peu dommage parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui ne fêtent pas Noël. Donc c'est sympa de l'inclure et en même temps, voilà, moi je pense aux personnes qui ne le font pas. Après il y a Nouvel An. Bon moi je fête pas Nouvel An, parce que, et puis Noël non plus à la base, parce que je suis pas très friande de me dire il faut qu'on nous dise de faire la fête à ce moment-là. Je ne suis pas pour. Il y a l'air d'avoir une nouvelle coupe de cheveux ici aussi. Ok, bon de toute façon ça je laisse le taf à Anna. Il y a quand même des trucs où on a déjà peur. Mais c'est super parce que du coup je pense que ce sera surtout des événements qu'on pourra créer de nouveau et qui seront disponibles pardon, qu'à une certaine période des saisons et j'espère parce qu'on ne pourra pas faire la nouvelle année par exemple en plein mois de juillet. Pourquoi pas? On a ici pas mal de bouffe, ils vont finir obèses. Alors oui, ça, bon, c'est ce qui me... Voilà, le moins possible. Je pense que ça, c'est genre Père Noël ou Saint-Nicolas, une connerie dans le genre, sauf qu'ils l'ont pas fait rouge et blanc. Soit bof, soit encore plus bof, c'est pour Pâques, on dira, mais bon, je suis pas très... Ok. Les abeilles, ça, c'est pas mal. L'apiculture, pareil, pour le Decade, ça pourrait être hyper cool. Mais bon, j'ai pas encore fini, mais j'aurais préféré l'avoir dès le départ. Mais bon, d'ici le mois de juin, on sera passé quand même. On aura quand même avancé dans le decade. Donc peut-être que la prochaine génération pourra faire tout ça. Entre jardinage et apiculture, pourquoi pas. Ah, et ben eux aussi, ils ont un problème de sourcils quand même, non? Parce que les sourcils bruns, quand t'as la moustache blonde et les cheveux blonds, il y a un problème de sourcils, même chez les Sims. Ils s'en sont pas rendu compte. Ou alors c'est. Le nouveau trip, parce que ça va être les saisons, je sais pas. Alors l'animation ici, elle est super bien foutue, j'avoue que... Et on voit bien que le mec, il a pas d'habit, donc il a froid. Il a super froid. Et puis j'adore sa coupe de cheveux aussi. Hein. Et ça faisait partie du gif qu'on avait vu, que certaines personnes disent non, ce sera pas les saisons, alors que franchement, pour moi, ça sentait la saison à plein nez entre l'animation des arbres derrière, le fait que ce soit un épouvantail Halloween, ça aurait pu être sorcier, c'est-à-dire, je me dis, ouais, il va peut-être bouger, et il bouge d'ailleurs, c'est exactement ça. Mais effectivement, moi, j'étais plus partie pour les saisons, et tout le monde était parti sur les saisons, quoi. On n'a pas été fourbe, on ne s'est pas fait avoir pour une fois. Alors ça, le contrôle des stations météo, je sais pas quoi, j'ai pas tout pigé, surtout que le mec, il se le reçoit et peut le renvoyer, on dirait qu'il a des pouvoirs magiques. Donc peut-être que ça va être deux en un, hein, qui vont nous faire des sorciers, je sais pas. C'est très bizarre. Parce que je pensais que ça serait une nouvelle mort, type on s'électrocute et... Mais en fait non. Et après, est-ce qu'il peut renvoyer le pouvoir? Peut-être que s'il se fait électrocuter, genre la première fois, il renvoie, et la deuxième fois, il meurt, peut-être. On sait pas pour l'instant, de toute façon, on n'a aucune idée. Ce sera la surprise. J'aime beaucoup sa coupe de cheveux aussi, hein, puisque moi, j'aime bien les cheveux longs. Je sais pas si vous le savez. Donc, pré-order now, 22 juin, c'est parfait. Alors, moi, je tiens à vous dire que surtout, je n'ai jamais eu les saisons dans quelques Sims que ce soit. C'est un peu comme chien et chat, je ne les ai jamais eus, à part dans les Sims 4. Et de toute façon, je l'aurai, ça c'est sûr, je vais le prendre. Donc, c'était très sympa, en tout cas, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai hâte de voir. Ah ouais, les arbres rouges et tout, c'est tellement beau déjà dans la vraie vie. Ça va faire bizarre, hein, parce que je me demande combien de temps les saisons vont durer. Est-ce qu'elles vont durer 3 jours Sims ou plus ou moins? Parce que. Ce serait un peu relou de les changer tout le temps en fonction des saisons. Vous voyez, tous les 3 jours Sims, ça passe quand même super rapidement. On doit rechanger leurs fringues parce qu'ils vont avoir trop chaud, parce qu'ils vont avoir trop froid. Je sais pas trop. Parce que déjà qu'une grossesse, ça va durer entre 3 et 4 jours. 3 jours si on la fait des tests de grossesse, 4 jours si on fait pas de test de grossesse. Ce qui équivaut du coup à 9 mois. Donc c'est pour ça que je me dis tous les 3-4 jours Sims, logiquement, ce serait un jour par saison. Enfin, non, qu'est-ce que je raconte? Bah si, logiquement, ce serait ça en fait, ce serait un jour par saison, donc, mais c'est pas possible. Donc peut-être qu'ils vont étendre à 3-4 jours,
Mais je sais pas, là vraiment c'est peut-être la grande question. Donc on va faire un peu de patinage artistique roller. C'est joli, on va pouvoir faire des nouveaux parcs. Mais effectivement, patinage, on pourra pas trop le faire en temps normal. Il y a l'air d'avoir. Non, attendez. On aurait dit que. Ici, on dirait qu'il regarde et qu'il faisait des notes, mais je pense pas que ces notes, c'est juste un café en fait. Sympa la coupe de cheveux de la petite là. Très mignonne. Ok. Bon, peut-être que j'ai fait tout, peut-être que j'ai raté des trucs, mais comme je vous dis, ce sera Anas Gaming qui fera la meilleure analyse possible et imaginable sur ce trailer. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description pour que vous puissiez aller voir de vous-même, je pense. Après, il faut qu'elle ait le temps de travailler dessus, donc ce sera peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être demain pour le week-end. Voilà. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures d'Alex et compagnie. Et super quoi, vivement les saisons! Allez, salut!